Salut, ça va? Salut les veilleux. Écoute, on a un petit souci, la comédienne n'a pas pu le faire. Hein. Alors bon, on a trouvé ce qu'on a pu. Hein. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je me mets là, là. Tu prends tes marques. D'accord. Et on va pouvoir y aller. C'est bon pour moi. C'est bon. 20 Locke, 151 sur N, première. Action! Bien! Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, commissaire, ce qui s'est passé, c'est simple. C'est que... Écoute-moi bien, petit! Dans toute procédure criminelle, rien n'est simple, tout est compliqué. Très bien. Donc, ce qui s'est passé, c'est compliqué. Donc, monsieur Chasse-ton-cul est décédé d'un étranglement au cou, 10 marques de doigts le prouvent. Et monsieur Chasse-ton-cul est ensuite mort du dos, 17 trous de balles dans le dos. 18! 18! Très bien. Alors, d'autre part, Madame Chasse-ton-cul était présente lors des faits, assise dans ce fauteuil. Elle déclare avoir rien vu, rien entendu. Elle lisait son magazine. Bien. Voici mon pronostic. C'est un suicide. Attends, commissaire, vous plaisantez. Elle a 17 trous de balles dans le dos. Écoute-moi bien, petite couille. Pardon, hein. Tu vas m'écouter maintenant. J'ai connu les enfants morts de la drogue. Qu'est-ce que tu me coupes là? Ne me coupe pas! J'ai démantelé la pègre de Marseille avec mon gueule! Je sais mieux que toi ce que je dois dire! Très bien. Très bien. Mais quand même, commissaire, je veux bien. Bon, moi... maintenant tu vas écouter, hein? Je vais te raconter une histoire. Qu'est-ce qu'elle dit, la grande conne là-bas? Mais se tirer une ou deux balles dans le ventre, je veux bien. Oui, vas-y. Commissaire, une ou deux balles dans le ventre, je veux bien, mais alors 17 balles dans le dos quand même. C'est... Alors maintenant, tu vas m'écouter, espèce de pomme de pain. Je vais te raconter une histoire suivante. Hiver 73, Marcel Petrucian, la falaise de... Hé, hey, sur le plateau numéro 7, on peut faire moins de bruit? Culé, va. Donc, on est sur la falaise du Cap Canaille. Marcel Petrucian, il s'est coulé les quatre membres inférieurs dans un bloc de béton. Ensuite, il s'est découpé le corps avec une scie à métaux. Et ensuite, il s'est balancé dans la mer de Cassis. J'étais le seul à comprendre que ce fut un suicide. Personne ne m'a cru, ni les RG, ni les PGN. D'accord, très bien. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Les gens sont cons, hein. Bon, bah, moi, je vais interroger Mme Chasse-ton-cul, là. On va rien interroger du tout, hein. Elle est pour moi, Chasse-ton-cul, hein. Commissaire, commissaire, c'est pas le texte. Non, c'est coupez, pas, c'est coupez. Quoi, oh, ferme ta gueule. Monsieur Van Locke, monsieur Van Locke. C'est à l'éveil d'interroger, hein. C'est dans le scénario. Écoute-moi, hein. Ton chat-cul. La série, elle s'appelle comment? Van Locke. Et moi, je m'appelle comment, grosse couille? Van Locke. Bien, on se comprend. Von Locke, 151. Mais tu vas fermer ta gueule, toi, connasse. Bien. Écoutez-moi, madame Chasse-ton-cul de là. Non, non, c'est pas madame Chasse-ton-cul de là, c'est madame Chasse-ton-cul. Ben, pourtant, il m'a dit tout à l'heure, il m'a dit Chasse-ton-cul de là. Chasse-ton-cul de là. Bien, c'est un bide. Écoutez-moi bien. Je ne comprends pas la chose suivante. Vous avez dit n'avoir rien vu, rien entendu. Et l'affaire se passa à 53 cm. Et je... C'est un bon argument, ça, hein? Non, commissaire, commissaire, je crois que vous vous égarez. Regardez discrètement dans la main gauche de Mme Chasse-ton-cul. Elle a une arme, elle est coupable. Mais tu vas m'écouter, espèce de couillette! J'ai 53 ans! Tu en as 29, tu pourrais être mon fils! Hein? Moi, j'ai connu les bambins morts dans le ruisseau! J'ai connu les balles dans la peau! J'ai 32 trous de balles! Hein? Et toi, tu vas me dire qui est coupable de qui est innocent? Coupez, coupez, écoutez. Non, je... Qu'est-ce qu'il a, autre écoutez, corps, non, hein? Je suis désolé, commissaire. Vous ne jouez pas la situation. Le film n'a plus rien à voir, hein? Alors ce qu'on va faire, la journée de tournage est suspendue jusqu'à demain. Mais tu vas la fermer, ta putain de tête de cul. C'est moi qui vais te suspendu, là, hein. Tu sais que cette série, je l'ai fait avec mes couilles, hein. Alors moi, je vais te dire une chose, hein. Je te dis la chose suivante, tu vas écouter, c'est des fausses lunettes, ça, en plus, que c'est ces conneries, hein. Écoute-moi, je te vire, hein, jusqu'à demain. Bon, allez. Les gars, on range. Ben, c'est ça, cassez-vous, fin du tournage. Écoute-moi, ma biquette.
Tu sais, j'ai l'impression que tu as un jeu fort bon, fort agréable de tragédie comédienne. Est-ce que ça te dirait que je te raccompagne dans ma Renault 12 et je pourrais aller te faire un tour sur la Gineste. J'ai ma villa avec piscine de mètre d'eau. Hein. Tu me plais bien, toi. Ça va, c'est bon, t'as fini? Alors, je te préviens, pour ta villa, c'est OK, mais c'est 1000 balles. Mais qu'est-ce que c'est ces conneries, là? Salut, Roberto Hudson. Salut. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé?